La parole de Dieu. Nous avons applaudi la présence de Dieu dans la ville. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Assoyez encore, nous bâillons bon Dieu, action de grâce, que lui-même seul les méritait. C'est lui-même qui permet que nous sommes capables de là ensemble avec l'église, première église nazarienne de Gonaïve. Si je ne me trompe pas, dans le 42e jour, là, si je ne me trompe pas. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et nous saluons l'église entièrement. Il y a un monde peut-être qui t'a sorti de très loin. Que mon Dieu continue de verser grâce-lui. Nous saluons tout chaque monde qui a bénéficié de l'activité par moyen des multimédias. Nous, à Fonti Campé, nous faisons lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire ensemble avec l'église là, verset 9. Et n'a privé dans verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, verset 10 et verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, verset 10, verset 11. Assemblée, est-ce qu'il y a un texte là? N'a plus ensemble. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Deuxièmement, Gisèle dit, mais vous avez été sanctifiés. Ça fait deux. Troisièmement, Gisèle dit, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. C'est toujours le même thème, non? Levons et célébrons Dieu et pour cette soixantaine dans l'unité et dans la sainteté. Et depuis hier, nous t'ai averti ou ça, que semaine ça, sujet qui tire notre thème là, c'est la vision de Dieu de la sanctification. La vision de Dieu de la sainteté. La sanctification, c'est un sujet qui fait en pile actualité dans les églises locales. Donc, gagnant pile chrétien, qui familiarise yo avec la sanctification parce que chaque monde qui ici présent à soya l'étape difficile pour pas ta gagne une idée de la sanctification. Mais malgré que l'église tende sujet ça en pile qui c'est la sanctification, gagne pile monde qui mal comprend le mot sanctification. Nous allons voir ça plus devant. Il y a une fausse conception que les hommes gagnent avec la sanctification. Donc, Ndaramen dit nous ça. Jean nous ou est sanctification, c'est pas comme ça, bon Dieu ou est sanctification. Ben, moi, bon. Moi, dis Jean, l'église, ou bien, bon, mettez les hommes. Jean, les hommes ou est la sanctification, c'est pas comme ça, bon Dieu ou est la sanctification. La vision de Dieu de la sanctification.
Donc pour qui raison Jean nous-mêmes nous est sanctification, c'est pas comme ça bon Dieu elle. Parce que il y a un texte à travers la Bible, un verset Ésaïe 55 verset 8 et la Bible nous dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55 le verset 8. Donc pensez nous pas penser bon Dieu. Voix que n'a prend, route que n'a prend, c'est par lui-même que bon Dieu prend. C'est ça qui fait que Jean nous ouais sanctification dans Dieu par nous. C'est pas comme ça bon Dieu ouais dans Dieu par lui-même. Et pour yon moun ta rive konnen ki sa sanctification yé, faut ta gagne yon révélation personnelle de la sainteté de Dieu qui pral fè gagne yon idée claire de la sanctification. Et ça fait assoyan nous ta remé wè avec ou quelques conceptions que les hommes gagnent et qui jan bon Dieu wè la sanctification. Deuxièmement, nous ta remé wè comment bon Dieu li sanctifié peuple li k'ap servi. Deux bagages n'a pas à seulement. Premièrement, différentes idées, différentes conceptions que l'homme gagne vis-à-vis de la sanctification et comment bon Dieu lui-même lui sanctifie peuple cap ses villes. Premièrement, vous regardez que sanctification, si m'a parlé de lila ou après grand pile monde qui comprend ni en façon différente parce qu'elle suscitait un pile débat. Et ça fait l'église a plusieurs sujets qui suscitent débat. Par exemple, la sanctification, c'est un mot qui suscite débat. Si m'a prend le mariage aussi, c'est un mot qui suscite un pile débat. Donc, gien des monde, attendez oui. Gien des monde qui comprennent que sanctification sont théorie. Qui ça me dit l'église? Me dit gien monde qui comprennent sanctification c'est qui ça? En théorie. Ça veut dire même sous elle a crasé chez elle là. Parler de sainteté, parler de sanctification, c'est sous chez elle sanctifié. Quand descend chez elle, bon, il pas sanctifié encore. Parce que toute ça elle t'a dit toute belle français, toute belle maronnée, toute belle logique. OK? Tout mot grec adios maronnée et tout mot hébreu hein, kadosh, tout ça c'est théorie. Mais automatiquement descend chez elle. Il dit sanctification babay. Et moi songe mon professeur en théologie qui te dit que les bons prédicateurs qui a prêché la sainteté, lui même n'a vivre dans des autres. Il tant que son professeur qui finit écrire un bagage sur un tableau et puis mais qui écrit là, gon l'autre mais qui kembe bo ça qu'a suyé. Ça veut dire finit écrire un bagage et puis main droite là écrit main gauche à qui bon chiffon cap suyé ça le fin dire sans élève yo qui ta dans classe ça pas prendre note ça le fin écrit c'est pas qui règle. Donc il y a des monde qui prend sanctification pour une théorie et ça fait qu'il y a des monde là où dit qui soit comprendre de sanctification, il y a monde qui quand même baou quels sont les types de sanctification. Il y a monde qui dit il y a la sanctification positionnelle, la sanctification progressive, la sanctification parfaite ou bien totale. Mais en vérité, qui t'aime tout ça à soi? Bon Dieu, ce n'est pas théorie le besoin, non, c'est pratique le besoin. Bon, je dis l'église là ça encore. Bon Dieu, bouquet à théorie. Bon Dieu, besoin qui ça l'église? Pratique. Ou après, même à travers la Bible, Jean, dans l'épître que le bras l'écrit, il dit mes petits enfants, si ce n'est pas remé seulement avec bouche, avec langue, mais c'est pour nous remer en regarder avec action et avec vérité. Donc, pas bien à faire des théories de la sanctification qui soient connues et pour commencer à blaguer par la terre. Et par ça, mon Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de la pratique. Ça, ou dit qui sont faits. Sont enseignés à qui sont vivants. Donc, il y a des gens qui prennent la sanctification comme une théorie. Deuxièmement, il y a des gens qui connaissent que les gens cherchent la sanctification dans la religion. Mon bagage est tellement chargé encore. Il y a des gens, pour le connaître sanctifié, c'est nos monastères pour l'entrée. Monastère, c'est quand il y a des moines, et puis moines, les entrées dans le monastère font un laps de temps. Et puis elle sortit dans mon assiette, elle dit que les saints. Il y a des gens saintes et sont religion. Elle met en tête les religions là-dedans qui a fait le saint. Tout ça l'a fait dans la religion, elle a fait vivre dans la sainteté.
Et ça fait grand pile monde qui confond la sanctification avec la morale. La morale, c'est la morale. La sanctification, c'est la sanctification. Est-ce que l'église est là? Donc, mes amis, Nahum me dit ça. Pas grand espace sous la terre, il y a un monde qui a entré pour le vin saint. C'est l'espace où monde qui a entré pour le croiser avec une personnalité qui c'est Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est l'église où monde qui a entré. Et là, l'entrée de l'église, ce n'est pas l'église qui a changé, mais c'est Jésus-Christ qui a changé. Et je me dis ça avec gauche, je me déploie. Pas dans un yé sous la terre qui a purifié l'homme que le sang de Jésus. Mais bien aimé, en vérité, où est l'homme? L'homme fait toutes sortes de carwash pour laver tout type de machine. Si machine n'a pas dans la boue, il y a un carwash pour lui. Si machine n'a pas de poussière, il y a un carwash pour lui. Mais est-ce qu'on nous bagaille? L'homme n'a pas de carouache sous la terre qui a lavé l'homme. C'est le carouache qui a lavé l'homme, c'est le sang de Jésus. Acclamez sans Jésus contre Chita. Alléluia. Le sang de Jésus seulement qui a capacité à frapper mon pour Jésus pour ça. C'est le sang de Jésus. Est-ce que l'église a aidé à crier le sang de Jésus? Crier Satan pour son soldat, le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Qui a une capacité pour blanchir l'homme. Et moi, mes auteurs qui disent ça capable de laver péché, aïe! Ça capable de guérir tout cœur, aïe! Par ce sang, Jésus-Christ. Et puis, consigne le dit sang qui chère, par ce l'or, qui est éteint qui côté, dans la mort, aïe! L'or sous encore, par ce sang, Jésus-Christ. Donc, le monastère, un lieu malade, ne dit pas qu'à faire me sanctifier. La terre, le seul bagage qui a fait monde sanctifié, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui a purifié l'homme de tout péché. Gardez mon tour, sanctification pour lui, c'est pour tes belles rap. Les mettons rap tout des blancs là, et puis tout le monde ouel tout des blancs, et puis ouel son saint. Moi-même, j'ai un problème pour ça, j'ai un petit problème pour ça. J'espère que nous comprenons moins. Comment comprendre chaque sainte scène qui va le faire dans l'église? Avant jour à fête, ou bien avant jour sainte ou bien dans jour sainte non, il a exigé mon yo pour mettre rat blanc. Qu'on a question à poser, est-ce que rat blanc l'aime mettre la cellule pour le faire saint? Et quand tout le monde met en tête, rat blanc, il met pour y aller pour sainte non, c'est lui qui fait mon Dieu, ouais, bien, c'est lui même qui fait au sein, c'est lui même. Pas de problème pour rat blanc, mais mentalité, l'aime ou non pour le faire sainte scène, c'est rat blanc le mettre là. Lui mettre en tête lui, l'elle mettre rat blanc, bon Dieu, garde le saint. Yon rat pas qu'à sanctifier un monde. Yon rat pas qu'à sanctifier un monde. Ou qui doit venir faire sainte scène tout de noir, et puis en tête un cœur blanc par ses cotons. Alléluia. Ou qui doit finir là tout de rouge, et puis pendant vite tout de rouge là, et puis regardez, péché yon qui est dans la veille, dans le sang de l'agneau, ou blanc en tête en rond. Et en vérité, l'église doit avoir une réforme qui vous fait là-dedans. C'est pas le blanc qui a avant tout, c'est la sanctification qui a avant tout. Sanctification est primordiale. Et bien, bah, tout de blanc font gens là. Et ça fait que vous avez des dans cette religion entre, vous avez des gens qui respectent tout le monde parce que l'habit est bien. Parce que les gens là, rat li mette là, c'est chapeau bas. Son vénérable, son ceci, son cela, son honorable, moun sa, selon rat li genye. Pour lui même, pour moun nan, li pense que rat moun nan mette ya, tout moun va le reçu à celui qui fait moun nan sanctifié. Gede moun tout, c'est pas ni rat qui fait sanctifié, li mette dans tête li, tande oui, son manger pour le manger, ou bien pour le pas manger qui vous fait sanctifié. Ça me parle de personnalité. Ou pas de l'église, yo passé commandement ça même, puis moun pas gen doit manger viande ceci. Bah si t'es non bête là non. Bah non c'est papa. Yo dit ou pas gen doit manger viande ceci, viande cela. Ça ou qu'on nous connaît. Mais bon bagaille oublié dans l'ancienne alliance, c'est normal parce que bon Dieu t'a dit à travers l'ancienne alliance là que pas gen moun qui gen doit manger hein
Beth ça parce que Beth ça était interdit pour Israël de manger. Maintenant, là on fait un coup de pied dans le Nouveau Testament. Ou après Pierre prend son vision. Pendant Pierre sous Kaila, la prière. Pendant Pierre a prié et puis qui s'aloue, lui ou son drap qui descend et puis drap descend non, lui qui a toute qualité bête la donne, lui qui est bête qui pure, lui qui est bête qui impure et puis la voix de Dieu dit Pierre, touye et puis manger. Pierre dit maître, depuis là tout petit, m'a jamais mangé vieux bête sur mon là. Et puis bon Dieu dit frère c'est moins doux ça. Touye et puis pardon l'église non, touye et puis même si la médecine parlait de ça, ok, il est très bon pour la santé. Donc, on monde qui a fait santé, il a choisi pas manger, il n'a pas empêché, mais ou pas qu'à exiger de pas manger. Et là, il a fait la loi, ça va le mettre là-dedans. Je ne sais pas, non, militant, ou qu'à mettre n'importe viol, mais la loi. Non. Je ne sais pas si t'es non, mettre là, non. Je ne sais pas si t'es non, non. On a l'air. Donc il y a des gens qui pensent que l'on ne pas manger tel bête, ça fait le sanctifier. Ça fait le pas pécher pour ça. À travers le Nouveau Testament, ça n'est pas possible. Et regardez bien pour être drable en descendant, il y a toute qualité bête là-dedans. Qui ça me dit encore? Il y a des gens même pour le sanctifier, les mettre en tête, c'est l'on va en pile comme. C'est comme là qui a fait le sanctifier. C'est là les deux mondes, l'elle va en pile monde l'argent, en pile manger, c'est ça qui a fait le sanctifier pour ça. L'argent yon moun kabay, pas qu'a fait le sanctifier pour ça. Mais bien aimé, si bon Dieu t'a demandé qu'il y a des mondes qui l'a, si bon Dieu t'a demandé l'argent, pas qu'il y a une personne qui l'a, qui t'a sanctifié, peut-être c'est moun qui a un gros compte en banque, c'est yon t'a sanctifié, mais gloire à Dieu, bon Dieu a demandé de rien, en vérité, à la croix, Jésus dit tout est accompli, et quand t'aime grand-père là, je suis sanctifié par le sang de l'agneau. L'église qu'on a frappé mon bouson ça, qui sanctifié, et par la jambe pour là, et par amen, et par l'ombre pour là, mais c'est le sang. Donc c'est ça qui fait l'église. Les wap étudier l'histoire de l'église. Quatrième phase dans l'histoire de l'église, il parle de l'église impérialiste. L'église impérialiste, qui s'est gagné là-dedans? T'es bon, monsieur campé, il chita sous une chaise, et puis il dit tout le monde qui voulait sanctifier, tout le monde qui voulait gagner salut, tout le monde qui voulait sauver, mais qui ça pour faire? Quand t'es chita en l'air, escalier, ou à mouté sous genou, l'orifé devant moi mettre à genoux. Et vous comme pour déposer. Si vous ne pas déposer comme ça, vous ne pas sauver. Vous voyez qui j'ai l'homme fragile? Ils ont salué, mon Dieu, gratis. Et puis il dit, mon Dieu, c'est à genoux. Et vous avez ça pitié, ils ont crasé mon sa bouteille. Ils ont la gueule dans l'escalier. Ça veut dire, les gens ont marché. Les gens n'ont pas marché, non. Les gens ont monté l'escalier sous genoux. Genoux l'a béni ensemble. Pour le sauver. Pour le sanctifier. Et puis c'est alors. Martin Luther, il parle prêcher la foi. Pendant Martin Luther, à genoux, il a marché les escaliers, il a gravi les escaliers. Et puis, regardez, la foi de Dieu dit Martin Luther, le juste vivra par la foi. Et puis, dit Martin Luther, levé à terre. Parce que c'est pas bagaille qu'on a fait qu'il faut sanctifier. Et pas bagaille qu'on a fait qu'il faut sauver. Mais lui, entre dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Il dit Martin Luther, le salut, c'est par la foi. C'est par ça qu'on a fait qu'il faut sauver. C'est par ça qu'on a fait qu'il faut sanctifier. Et je vous dis, vous me dites ça. Vous te mettez pour suivre l'église pour bon Dieu. De vous pas sanctifier. C'est vrai, bon Dieu a béni ou, mais récompense a perdu. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et la récompense. Qui ça me dit à l'église? Je dis qu'on différence entre la bénédiction et la. Qui sa bénédiction est? Tout ça, on monde fait pour mon Dieu. De vous faire la tout cœur, mon Dieu a béni. Et bénédiction, ou te mettre ton bon corps. Ou te mettre ton franc-maçon. De vous faire un bagage pour mon Dieu à tout cœur, mon Dieu a tout non lit. Parce que l'on a dépensé pour travailler. Mais attention,
La récompense n'est pas sous la terre, c'est dans l'éternité. Et ça fait qu'en pile n'est qu'à construit. C'est vrai, son bien offert. Mais bon Dieu a béni. Mais cependant, il a raté la récompense. Et me déclare sous le grâce, c'est pour travailler pour récompense au nom de Jésus. C'est pour tout ce fait pour mon Dieu, c'est pour l'arriver en l'air. C'est pour mon Dieu tout bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle servant. Au nom de Jésus. Mes chers amis, la sanctification, ce n'est pas un effort lié. Mais c'est une grâce. Maintenant, comment bon Dieu lui-même lui sanctifie peuple lui? Premièrement, nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Je vais mettre le texte avec vous. C'est dans Jude, chapitre 1er, ou après ça, côté que lorsque Jude a commencé l'épître là, dans le premier chapitre là, ou après qu'elle dit, il tendait bien, oui, ou après elle dit, et bon Dieu sanctifie nous en Dieu le Père. Donc nous sommes, les chrétiens sont sanctifiés en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. N'a plus ensemble dans Acte 26. Acte 26, n'a plus verset 18. Acte des apôtres, chapitre 26. Et nous allons considérer, hein, ensemble avec vous, verset 18. Acte 26, verset 18. N'a pas commencé depuis le verset 17 pour qu'on comprenne le contexte là. Acte 26, verset 17, verset 18. Il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bon Dieu bénit l'Église. Donc, nous sommes sanctifiés premièrement en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Et Romains chapitre 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons qui ça? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi les sanctifie nous. La foi nous sanctifie. Donc la foi, c'est lui-même qui permet que traverser le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et qui s'est passé? Les gens nous repentis, les gens nous recevoir Jésus dans la ville. Qui ça bon Dieu fait? Lui retirer dans le royaume des ténèbres et puis le planter dans le royaume de la lumière. Et ça fait un problème avec les chrétiens qui chanté côté Marie à démarrer. Un problème ça. Et m'ta aimé un monde qui avance pas, c'est moi expliquer comment que c'est qu'a fait marrer. Et gien gien qui tellement haro yo même, yo dit si c'est dans badjo démarre, si c'est dans soukri démarre, côté mieux démarrer. Monsieur. M'son j'aime nos veilles de nuit, c'est chanter ça. Adorateur apprend pour chanter. Automatiquement dit côté m'a démarrer, m'te sous chair, m'descendre, m'allonger comme son bon dormi juste les jours. Parce que moi, les gens qui chantent, ils ne sont pas besoin. Ils ne sont pas chrétiens, ils chantent côté Marie à démarrer. Qui est côté Marie à démarrer? Ils ne sont pas sa Bible dit dans Colossiens. Colossiens dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire côté grand là, c'est photocopie qui là, original moi sans les lieux. Madame Koto Chita, moi viens de dire ça, c'est photocopie qui chita là, originalité aussi, en les lieux. On te a dit le monde, c'est pas la caille moi, non ciel là, moi parler, trésor moi, accueil moi, en haut. Alléluia. Ma contre le chita là, si on a la mort planifié, mais au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Allez, lance ça. La Bible dit me transporte. Transporte, veut dire, porter de un côté à l'autre côté. Sortir avec un côté, traverser avec l'autre côté.
Qui côté m'étais? M'étais dans le royaume des ténèbres. Satan t'a conduit la vie. Il t'a fait me faire salver. Mais automatiquement, je recevoir Jésus dans la vie. Jésus dit, regardez, il faut changer classe. Regardez, chaque monde qui est là qui recevra Jésus, ou sans ou changer classe déjà. Quand on chita là, si elle l'a transféré, alléluia, dans le royaume du Fils de son amour. Et bien, courage, m'a parlé avec un servant qui l'a. Si vous êtes sous la terre seulement, vous êtes toujours déjà. Si originalité, si racine, vous êtes sous la terre, alléluia. Vous êtes coupé fiel déjà. Vous êtes aïe aïe aïe, monsieur. Alléluia. Vous êtes voyant, allez déjà. Il y a un complot qui fait tout par on est. Il y a un bagage qui fait tout par on est. Il y a une combinaison qui fait tout par on est. Mais en vérité, il y a un bagage qui fait pour moi par on est. Ou sorti loué avec Jésus. Il y a un maître qui s'écueille. Ou crase. Par on est. Alléluia. Chers amis, si la vie était sous la terre seulement. Et ça fait moi-même Colossiens 3. Colossiens 3 dit, si donc vous êtes ressuscité, regardez, est-ce qu'on va connaître que la vie cachée avec Christ en Dieu? Vous comprenez ce que ça veut dire là? Ça veut dire vim, même si on m'a marché sur la terre, gardez-moi. Si on va manger, je vais couper mon Dieu. Parce que la vie cachée dans qui est-ce? La vie cachée dans qui est-ce? Quand on a la Jésus, elle est rock solide. Qu'on a le texte là dit la vie me cachée dans Jésus. Donc la vie, frère Josué, les cachée en tant roc solide là. Qu'on a qui m'attaque sous la terre qui a frappé roc là. Qui m'attaque sous la terre qui a retiré roc. Quand on caché là, en vérité mal tout ça. Qui des monde qui là ou a mouru dans le bon Dieu voulu. Par une pièce mal faite qui a mené qui a mené en bas terre. On te a dit les langues pas moins va fine. Parlez. Alléluia. Tout temps langue mais beaucoup fin parler, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Parce que beaucoup fin parler. Ministère beaucoup fini. Mandat bon Dieu beaucoup fini. Alléluia. Gon mission pour faire bon Dieu petit temps. Ou beaucoup mourir attendez. Gon monde qui doit sauver à travers vous-même. Ou beaucoup mourir. Gon message vous doit prêcher pour que 5000 monde viennent à la repentance. Ma sœur, mais sous ton nous on en sait que c'est pas vous-même. C'est photocopie ou qui là. Originalité à son lié. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. Nous devons nous appuyer devant nous maintenant. La parole de Dieu a une capacité pour changer que nous, radicalement, totalement. C'est lui qui a transformé nous. En vérité, je dis ça. Que des gens ne peuvent pas la faire, ils ne peuvent jamais changer. Que des gens mettent sanctionnés, ils ne peuvent jamais changer. Celle-là qui a convaincu, c'est l'Esprit de Dieu. Celle-là qui a convaincu, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole a une puissance là-dedans. Pas que quelqu'un entre là-dedans, il va changer. Jouer le monde, c'est pas lui qui a fait changer. Parce que quel homme n'a pas fait jouer. Quel homme tellement dur, jouer le monde n'a pas fait rien. Jouer le monde trop petit. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Quatrièmement, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Pablo nous a dit comment mon Dieu sanctifie nous. Premièrement, nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Troisièmement, nous sommes sanctifiés par la vérité, bien la parole de Dieu. Quatrièmement, nous sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous avons parlé ensemble dans le texte, nous te lis déjà dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Hein? Nous parler dans des textes pour nous capables de terminer avec vous. La Bible nous dit que ne savez-vous pas, verset 9, est-ce que l'Église là? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il faut rappeler là. La Bible a dit nous, tout le monde qui a fait ça qui est mal, il n'y a pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Et puis il y a quelques personnes qui ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Premier bagage, il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, qui sont encore?
ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis quand le fin dit, il y a une liste de monde qui ne peut pas hériter le royaume, non? Et puis il prend le baron de l'autre bagaille. Dans verset 11, là, il dit qu'en pile, non, nous sommes dans le mi temps, nous sommes dans le mais regardez qui ça, bon Dieu, fait. Premièrement, regardez qui ça dit, oui, dans verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été, premièrement, qui ça dit? Lavé. Répétez pour moi, lavé. Répétez pour moi, lavé. Deuxième bagage, sanctifié. Répétez, sanctifié. Troisième bagage, justifié. Répétez, justifié. Trois bagages, premièrement, qui ça me dit, c'est là. Deuxièmement, c'est saint. Troisièmement, c'est juste. Ça veut dire quoi ton chita là? C'est trois bagailles bon Dieu fait pour mettre ton chita là. Les laver ou les sanctifier ou les justifier ou. Et en vérité, Paul va le déclarer. Qui garde, que dit on dans ton camp à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Et puis il va continuer, il va dire qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et puis, monsieur va continuer. Il va faire une synthèse. Il va dire quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, pas dans rien qui casse séparément de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, regardez, l'église entièrement, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Tendez bien. C'est Jésus-Christ qui est auteur de la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui est auteur de la sanctification. Et je vais oublier ça dans Apocalypse chapitre 3. Dieu parlait avec l'église de Sade. Lisez l'église de Sade, moi ouais qui travaille ou fait. Et puis dit l'église là, moi ouais passer pour vivant, tandis que les gardés moi ouais sont morts. Prêtez attention. Bon Dieu dit l'église là, moi ouais qui travaille, moi ouais activité ou fait. Pas de problème à ça. Mais il aime garder où sont l'église qui mourit. Cependant, ou a montré moun qu'on sont vivants. Et puis on va le comprendre. Pour qui ça bon Dieu te dit l'église ça, ils sont l'église qui mourit. C'est parce que il va le dire plus devant. Gayen pile moun en dans l'église ça qui sale rade là, yo te lavé déjà. Quand pile mon l'église de ça qui t'a vive dans le péché. Et me courage pour me dire ça. Toute l'église qui va pas une sanctification importance, ils sont l'église qui mourit. Même si gen gros fond, gen gros dim, ou sont l'église qui mourit. Depuis bon Dieu pas une sanctification dans l'église. L'église a mouri. Parce que ça qu'on fait l'église a envie, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Bon Dieu dit où est l'église de Sade a passé pour vivant, cependant, li où est l'église a sont morts. Et puis le bon Dieu finit, il y a un pile de monde qui s'allait là, mais ça m'a l'air bien, oui. Il dit, cependant, les gens en dans l'église là, c'est vrai que les gens qui ont grené péché, c'est vrai que les gens qui vont marcher dans la sainteté, c'est vrai que les gens qui vont prendre bon Dieu pour rien. Dieu dit, cependant, en dans l'église là, il y a des gens qui ont marché de femme avec vêtements blancs, ils n'ont pas s'allait là. Ils ont mis tout dans la droiture, dans la sainteté. Et bien courage pour me dire ça. L'église, il y a tout le monde qui a fait des ordres. Mais en vérité, pas moi et l'église, parce que il y a des gens qui ont fait effort dans mon Dieu. Il y a des gens qui ont regardé où elles sont non païens. Mais cependant, ils ont regardé dans l'église. Et il y a des courage pour me dire ça. En dans chaque église, mon Dieu, un groupe de monde mettez les mains sur eux pour marcher dans la sainteté. En vérité, gardez-moi pas pour même non. Côté mon Dieu saute avec moi, mon Dieu qui me rend la propre. Côté mon Dieu saute avec madame. Dès qu'on est entré ou pas, tu es sorti. Dès que ça l'opération entré, ou tu es mourir dans ça là. Mais la gloire de Dieu, la droite de l'éternel manifeste. Il y a des gens qui sont loin à bon Dieu. Qui va dire amen. Ce qui bon Dieu parle avec vous. Oui. Pourquoi tu bon Dieu arrive avec vous? Qui va faire bon Dieu? Parce que bon Dieu sorti trop loin ensemble avec vous. En vérité, il y a des gens qui sont là. Si votre bon Dieu est dans la ville, tu es tout déjà. Mais mon Dieu, qui aime la ville. Bon Dieu, qui aime la ville. Cependant, malgré les qui s'arrêtent tout le péché à toi, mais cependant, moi-même, ça. Ça veut dire quoi exception.
Et ça fait même un auteur qui dit les ou compte moun qui pour Jésus compte moun là-dedans. Est-ce qu'on a levé mon lait? Combien moi dois l'amour sans fin? Combien Christ pour moi? Amen. Moi quoi? Amen. Lui fait aïe 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 papa. Moi pas. Combien de monde qui reconnaît ça là? Levez mon nom. Si vous l'avez grâce à mon Dieu, oui. Moi dis combien moi dois. Hey. L'amour sans fin. Madame. Combien. Amen. Pas Christ, moi si moi quand. Hey. L'issue. Amen. Moi pas. Moi dis sauveur mon nom. Hey, je sais bani t'es pas c'est hey, quand oh hey, oh my God, oh papa, merci, 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 aïe aïe aïe, oh my God. Seigneur, amen. Combien? Moi dis sauveur, 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 mon nom. Je sais, eh, hey, ma nuit, t'es pas. Amen. Ah, hey, c'est pour moi, moi sous, face là. L'église ça dans quatre coins. Alléluia. Que l'esprit de Dieu rive sous la vie. Alléluia. Madame qui bagay bon Dieu fait pour vous. Alléluia. Faut sanctifier. Madame qui bagay bon Dieu fait pour si vous comparez tête à Saint-Elle. Parce que Saint-Elle c'est ouais bon Dieu ouais. Mais au même ou bon histoire. Bon côté bon Dieu soit avec vous. Et me sentir bon Dieu que mon livre laisse saisir là. Me sentir bon Dieu que mon livre laisse secret là. Je dis, mon Dieu, je ne vais pas oser, moi, ici. Je dis, à la femme, je vais mettre le micro. Que mon qui doit voir mon Dieu dans l'autre dimension. Que Dieu qui doit ouvrir. Que mon qui doit transformer. Ah, intelligence, je dois transformer. Alléluia. Moi, je dis, attaché à la croix. Oh. Attaché.